les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Amstrad. J'espère qu'en tout cas l'intro vous a plu et qu'elle vous a donné la pêche. En tout cas moi c'est le cas et je me suis régalé à faire ce petit montage en musique speed. Donc nous allons parler de quoi? Nous allons parler de Tennis Cup 2 qui est sorti donc sur Amstrad. Pourquoi un jeu de tennis? Actuellement honnêtement je suis vraiment à fond, voilà, je vous le dis, voilà, je suis complètement fan des jeux de tennis actuellement. Donc j'ai eu envie de mettre ça en image et de reprendre mon petit Amstrad justement pour me remémorer un petit peu les souvenirs de ce jeu que j'ai honnêtement poutré dans tous les sens. Et effectivement on va en reparler, mais bon j'ai eu un contraste. Voilà, j'ai eu un gros contraste, faut le dire. Donc pourquoi un jeu de tennis? Forcément, comme beaucoup de personnes, j'ai regardé Roland-Garros. Honnêtement, je me suis régalé, même si forcément, il nous manquait Nadal et il nous manquait Federer, qui est à la retraite maintenant. Nadal, je pense qu'il n'en a plus pour beaucoup de temps, en tout cas. Mais bon, c'est comme ça, il y a la passation de pouvoir. Djokovic est également plus ou moins sur la fin, même si je pense qu'il va pouvoir faire encore 2-3 ans. Et ça nous permet aussi de voir un petit peu les nouvelles têtes, voilà, qui vont commencer à arriver sur le court. Mais pour en revenir donc au jeu, donc en ce moment, voilà, je suis à fond sur Top Spin 4 de 2K Sport. Voilà, c'est vraiment un des spécialistes en simulation sportive, en tout cas pour ceux qui connaissent. Mais honnêtement, c'est la référence, mais vraiment la référence en matière de jeu de tennis. Sachant que le jeu est quand même sorti en 2011 et que pour l'instant, il n'y a pas un éditeur qui a réussi à faire mieux. Donc, tout le monde attend un Top Spin 5, mais en tout cas, le 4, honnêtement, il n'a pas pris une ride pour moi. Visuellement, on est sur de la PS3, donc forcément, ça joue un petit peu. Mais honnêtement, c'est un vrai régal, c'est dynamique, c'est tout ce que vous voulez. Et du coup, pour en revenir à Tennis Cup 2, c'est vraiment quelque chose qui est particulier dans le sens où je l'ai vraiment poutré. Alors, j'ai commencé comme tout le monde à jouer avec Tennis Cup 1, qui honnêtement est pour moi... un petit peu moins joli, on va dire. Voilà, c'est pas coloré, c'est assez raide. Les animations des joueurs, voilà, des fois, c'est un petit peu compliqué, honnêtement, à la manette. Et honnêtement, quand vous passez d'une console moderne et que vous retournez sur Amstrad, les réflexes sont vraiment pas les mêmes. Voilà, en gros, vous savez plus jouer sur 8 bits, clairement. Voilà, c'est voilà, l'Amstrad, à ce niveau-là, y a vraiment un gros écart, hein, année oblige, forcément. Mais quand vous passez d'une plateforme moderne et que d'un coup, vous intégrez les simulations de sport sur Amstrad, là honnêtement c'est un choc. Voilà, honnêtement c'est un choc parce qu'au niveau du gameplay, voilà, faut tout réapprendre. Honnêtement pour moi ça a été très compliqué pour pouvoir vous faire cette vidéo, vous proposer ça. Il a fallu un petit peu que je me rôde. Voilà, j'avais mes habitudes avec Top Spin 4. Donc là tout de suite, contraste, voilà. C'est en tout cas donc Tennis Cup. Du coup, le 1, voilà, comme je vous disais, il est un petit peu rigide. Après on a quand même des références, notamment au niveau de grid course, qui est vraiment pour moi beaucoup mieux fait en fait en termes de simulation de tennis. Il est un petit peu plus compliqué, mais par contre voilà, on va avoir beaucoup plus de choix au niveau de la palette de coups. Et du coup il y a eu également une suite, enfin on va dire plutôt un remaster pour moi au niveau de la GX 4000 et également donc de Tennis Cup 2 qui, comme je vous le dis, pour moi sur Amstrad est l'une des références. Voilà, donc on va arrêter un petit peu de parler, hein, et on va passer tout de suite au gameplay pour ceux en tout cas qui le découvrent ou qui ont envie de le redécouvrir. Donc c'est parti, on y va, on prend la manette et let's go. Voilà, alors déjà la petite musique, honnêtement elle va super bien. C'est exactement la même que Tennis Cup 1. La différence c'est que forcément elle a été un petit peu retravaillée par rapport à la GX 4000 et l'Amstrad CPC+, qui offre quand même une sonorité beaucoup plus fine, on va dire, beaucoup plus travaillée. Et voilà, l'animation du petit chat de Lauriciel, honnêtement, moi je la trouve vraiment géniale. Elle est super, mais vraiment super bien faite. Voilà, je trouve que Lauriciel, là-dessus, voilà, y a toujours un petit côté de leur part, voilà, une façon de faire. Alors après, on peut ne pas tout apprécier, hein, de chez Lauriciel, effectivement, tout n'a pas été forcément bon. Mais Tennis Cup 2, je trouve que ça a été vraiment soigné au niveau du visuel, en tout cas. Donc, on débarque sur le menu, donc un joueur, bien sûr. Deux joueurs, le practice, la démonstration et les petites options. Au niveau des options, donc on va pouvoir changer le nombre de sets, hein, 5, 3, 1, ça ira bien. La vitesse de balle, honnêtement, médium pour moi, ça ira très bien. Au niveau du split screen, ça c'est dans le cas où on joue à deux, donc single screen suffira. Et bien sûr, on va pouvoir choisir le port de la manette. Donc, à partir de là, on va pouvoir créer donc notre nouveau joueur. Donc, on va déjà commencer par le nom. Donc, pourquoi pas l'appeler Kailas, voilà, tout simplement.
Voilà. Au niveau de la classification, en fait, c'est simplement le classement ATP du joueur. Hein, donc, forcément, on est dans les derniers puisque c'est une création de nouveaux joueurs. Ensuite, comme vous le voyez, on va pouvoir ensuite choisir notre nationalité et les pourcentages au niveau des points forts que l'on souhaite travailler, que ce soit le service, le coup droit, le revers, les volées et les smashs. Voilà, donc là je vais finir d'écrire mon petit nom. Voilà, donc là on est bon. Donc au niveau des pays, donc on a le choix entre la France, la Hollande, Israël, l'Italie, la Suède, la Suisse, les USA, la Yougoslavie qui n'existe plus, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Tchécoslovaquie, ou plutôt République tchèque, le Mexique, l'Allemagne de l'Ouest qui n'existe plus également. Forcément, le temps a fait les choses. Voilà, donc on va se mettre bien sûr en nationalité française. Il n'y a pas le Corse, désolé. Voilà, donc là, je baisse volontairement le service, en fait, tout simplement pour récupérer un petit peu des points que je souhaite attribuer au niveau de mes, notamment de mon coup droit. Le smash, honnêtement, voilà, je le descends vraiment. Bon, alors ça, c'est ma stratégie personnelle parce que je suis vraiment nul au niveau des smash. Et donc, tant qu'à faire, je préfère mettre le smash à zéro puisque je ne compte pas en faire pendant la partie. Et je vais redistribuer ça au niveau des coups droits, des revers et de la volée puisque c'est vraiment les quatre coups essentiels que je vais utiliser pendant le match. Voilà, donc là, on est pas mal. On a encore 10 points, donc 75%, ça, c'est pas mal. Et on va faire pareil au niveau du revers. Voilà, donc à partir de là, on est bon et on va pouvoir passer à la suite. Donc on arrive sur le prochain menu, donc avec exhibition simple ou double, l'entraînement bien sûr, la Coupe Davis et bien sûr les tournois majeurs. Donc ben nous allons avoir forcément l'US Open, donc Flushing Meadows, Melbourne pour l'Australie, Wimbledon, très célèbre, et notre fabuleux Roland-Garros, sans être chauvin, qui est pour moi l'un des plus beaux tournois honnêtement avec Wimbledon. Voilà, donc à partir de là, moi je me suis amusé à créer un petit peu ben, des joueurs pour mettre ça au goût du jour. Donc voilà, par exemple, je me suis amusé à créer Nadal, donc ben, avec forcément 100% hein, au niveau du coup droit et du revers, hein, c'est quand même une puissance de la nature avec un très bon skill level, réflexe, et bien sûr la ligne de fond de court à son maximum. Ensuite, je me suis également amusé ben, à créer Federer, tout simplement. Voilà, donc là c'est un petit peu plus, on va dire, équilibré. Voilà, parce que je trouve que Federer, honnêtement, voilà, c'était quand même un joueur qui était vraiment assez exceptionnel, autant devant le filet que sur la ligne de fond de court. Voilà, donc du coup, ben voilà, j'ai essayé d'équilibrer un petit peu ça pour que ce soit le plus réaliste possible, en tout cas. Voilà, histoire de mettre la base de données à jour. Et là, voilà, en gros, les joueurs auxquels vous avez accès, donc d'origine, hein, avec leur classement ATP de l'époque. Alors, ce ne sont que les prénoms. Alors, c'est vrai, je ne les ai pas tous en tête, hein. Bon, à part celui-ci, bien sûr, hein, numéro 1 mondial, donc c'est rien d'autre que Ivan Lendl, voilà, qui était quand même très très fort à l'époque, voilà, qui a vraiment marqué de son empreinte le tennis. Miroslav, honnêtement, bah, je ne le connais pas. Voilà, là on a les Argentins, qu'est-ce qu'on a? Les Mexicains, là ça ne me parle pas du tout. Boris, bah, c'est Boris Becker, hein. Rien de moins, rien de plus. Donc voilà, un de mes vraiment joueurs préférés de l'époque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Karl. Bref, voilà, vous avez un petit peu tout, les Yannick Noah, etc., etc. Donc maintenant, on va passer au gameplay actualisé, bien sûr, avec les nouveaux joueurs. Donc c'est parti, petit Roland-Garros, donc au goût du jour, on va dire, enfin presque en tout cas, avec un petit match donc, de Nadal contre Federer. Voilà. Donc on a droit aux hymnes nationaux, bien sûr, l'Espagne contre la Suisse. Et bien sûr, j'ai pris Nadal. Voilà, la petite introduction est vraiment sympathique, je trouve. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors moi, j'ai une petite technique. Ouais, je pense que Federer, honnêtement, va avoir énormément de mal. C'est sur chaque service, en fait, je monte au filet et je fais des volées. Voilà, honnêtement, c'est imparable. Je peux vous assurer qu'en jouant de la sorte, l'adversaire ne pourra jamais vous renvoyer la balle. Voilà. Donc là, on est déjà à 40-0. Allez, c'est bon, c'est plié. Jeu Nadal. On va voir du coup Federer comment il va se défendre sur son service. Il est pas mauvais à la volée déjà. Donc 15-0
pour Federer. Bon service. Alors un petit peu, ce qui fait un peu sourire à ce jeu, c'est qu'en fait la balle de tennis, quand elle arrive avec l'effet de caméra, l'effet zoom, bah, c'est vrai que ça ressemble plus à un ballon de hand, voire un ballon de foot. Mais voilà, ça n'en demeure pas moins très agréable de jouer à ce jeu. En tout cas, moi je prends énormément de plaisir. Voilà, petit filet, allez. 15 partout. Faute pour Federer. Il n'est pas très très bon quand même sur le service. Hein. Pas mauvais sur la volée par contre. Difficile à retourner. Allez, encore une faute. Il est vraiment mauvais sur le premier service. C'est assez étonnant quand même parce que je lui ai quand même mis de bonnes notes. En tout cas, au niveau de la volée, il va bien. Là, il est sur le point de remporter le jeu. Voilà, encore une faute au premier service. Il est vraiment très très bon à la volée. Allez, je fais derrière. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, service, volée. 15-0. Allez, 30-0. Avec la petite ambiance de Roland Garros, avec les applaudissements. Je trouve que c'est quand même assez sympathique. 40-0, on est parti pour faire un jeu blanc encore. Allez, c'est bon, c'est pillé. Jeu Nadal, 2 à 1. Alors, je vous rassure, j'ai mis qu'un 7. Hein. Il s'est encore planté sur son premier service. Dans l'échange, il est vraiment pas mauvais quand même. Hein. Allez, petit filet pour moi, 15-0, on a eu sur mon revers. Là, pour le coup, il s'est loupé sur sa volée, 15 partout. Allez, on prend l'avantage, 15-30 Nadal. Allez, 15-40, là on est sur le point de prendre son service. Il va peut-être pas me faire une double faute quand même. J'espère pas pour lui. C'est bon. J'essaie de taper le coup droit. Je suis pas mal là. En fonction de la position en fait, de votre joueur, hein, ça va donner forcément le revers ou le coup droit. Donc il faut bien se positionner par rapport à la balle. Allez, c'est bon, on a remporté son service, donc là on l'a breaké. 3 jeux à 1 Nadal. Allez, comme on a l'habitude, petite volée, on y va. Je vous dis honnêtement, cette stratégie est vraiment imparable. Que ce soit face à l'IA ou face à un collègue de l'autre côté. Là je me suis loupé sur la volée. Quatre jeux à 1, Nadal. Allez, Federer, essaie de te réveiller. Filet. Donc là, on reprend clairement la finale qui avait eu lieu, si je dis pas de bêtises, en 2011 entre Nadal et Federer. Et Nadal avait vraiment écrasé Federer. Ça avait été quand même un match assez fantastique. Si je dis pas de bêtises, qui s'était joué en 5-7. C'est quand même une finale d'anthologie. Hein. Non, il est bon à la volée. Il n'est pas bon sur le service, mais par contre, quand il monte au filet, il est vraiment pas mauvais.
Après, voilà ce que je vous disais par rapport à Top Spin 4. Forcément, quand on bascule à l'Amstrad, voilà, il y a quand même un petit peu plus de raideur. Au niveau de la panoplie de coups, ben forcément, ça va être en fonction de notre position de joueur. Et, puisque bon, tout se fait à un bouton, hein, tout simplement. Donc, voilà, c'est vrai que voilà, c'est un peu limité. Un peu limité, mais bon, c'était l'époque qui voulait ça. Hein. Mais ça n'en demeure pas moins un très très bon jeu de tennis et pour moi, l'un des meilleurs sur Amstrad. Ah, la volée, il assure vraiment. Hein. Il va pas falloir que je m'endorme, on est à 30-40. Allez, on prend l'avantage. Avantage Nadal. Les petites animations aussi du joueur sont vraiment bien faites, je trouve. Allez, à nouveau égalité. 40 à. Ce premier service, c'est une catastrophe, hein. C'est bon, avantage. Est-ce que cette fois-ci on va arriver à gagner ce jeu? Allez, c'est bon, jeu Nadal. 5 jeux à 1. Bon, pour le dernier jeu, on va peut-être pas trop monter au filet. Hein, on va essayer quand même de, voilà, de le gagner à la loyale. Ouais, je me suis complètement loupé. Bon, je me réveille. Allez, 15-30. Ah, je monte pas au filet volontairement, hein. Ah, je me suis complètement loupé. Histoire de le battre à la loyale quand même. À la volée, il est vraiment très très bon. Allez, on va essayer de remonter. La remontada. Ah ben bien. Il m'a smatché. Ok, respect. Allez. On va essayer de le battre sur son service. Ah mais c'est incroyable, j'arrive pas à lui retourner les volets. Je pense que honnêtement, voilà, c'est moi. Hein. J'ai du mal à trouver ma place en fait pour lui renvoyer la balle, quoi. Ça me surprend, quoi. Chaque fois. Allez, là, on assure. Il est pour nous, celui-là. Hein. Allez, c'est bon. Allez, 15 ans. Ok, 15. Allez, 30 à. Bon, 40-30. L'étau se resserre. Federer, mais là il a joué la bande, c'est pas cool. Allez, 5 jeux à 3, bah, c'est bien, ça met un peu de suspense. Voilà, allez hop. Je vais reprendre ma bonne vieille tactique à la volée. Désolé pour le suspense. Parce que sinon, le match il risque de durer encore 10 grosses minutes, hein, autant. Allez. On a 3 balles de match.
Allez, c'est parti. Et voilà, c'est fait. Victoire de Nadal en finale de Roland-Garros, 6 jeux à 3 contre Federer. Voilà, j'espère que ce petit gameplay vous a plu. Je me suis également amusé à refaire une finale Djokovic-Rude que je vais vous épargner, sinon là on est reparti encore pour un quart d'heure. Mais voilà, il y a moyen de se faire plaisir quand même avec notre petit Amstrad, voilà, et avec notamment un jeu de tennis, en tout cas si vous aimez ça. Voilà, moi je prends toujours plaisir voilà, de faire quelques matchs comme ça, surtout en ce moment. Même si je le répète encore, voilà, honnêtement, Topins 4, c'est vraiment de la bombe atomique. Vraiment. Donc si vous aimez les jeux de tennis, moi je vous le conseille. En tout cas, si vous avez la chance, tout comme moi, d'avoir une PS3. Sinon, voyez directement avec un émulateur. Mais voilà, en tout cas, ce Tennis Cup, version en tout cas GX, a quand même été nettement amélioré par rapport à la version 1 qui était encore plus rigide que celle-ci. Voilà, je trouve que ce jeu est vraiment beau. Voilà, il est coloré, pardon. Les animations, je trouve, sont bien faites. Voilà, y a le soin du détail. La musique, honnêtement, je trouve qu'elle reste énormément dans la tête. Donc en général, c'est un signe quand même que c'est quand même, ça fait son petit effet. Voilà, donc c'est un jeu. Voilà, que si vous aimez franchement les jeux de tennis, honnêtement, je ne peux que vous conseiller celui-ci. Voilà. Simple, efficace, et en plus, voilà, on a la possibilité de remettre un petit peu la base de données à jour et se faire plaisir en 2023 avec un jeu de tennis rétro en tout cas. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à faire un petit pouce et à laisser un commentaire sur le sujet. Je regarderai ça avec attention. Et je vous dis à très bientôt sur Amstrad, bien évidemment.